Jesus, where? Il y a tout le travail qui est fait avec le groupe qui est important, sinon essentiel. Et puis il y a la partie dont je m'occupe qui est spécifiquement le travail du jeu au poste. C'est-à-dire donner aux joueurs les moyens de bien gérer tout ce qui est devant le but, les déplacements et puis le travail de prise de balle. Avec beaucoup de travail de découverte pour certains gestes et puis beaucoup de répétitions. Mais je souligne auprès des gardiens que il est essentiel qu'eux comprennent le message qui est transmis aux joueurs de champ pour qu'eux soient un joueur dans l'équipe et non pas un joueur en dehors de l'équipe. Donc le travail, il est à la fois dans ma partie, il est important, mais s'il n'y avait pas la partie jeu dans laquelle les gardiens sont intégrés, ça serait aller chercher de l'eau qui n'a pas dû percer. On est déjà contraint par les conditions météo, les conditions de terrain. Quand on est sur le synthétique ou sur l'herbe, quand on est dans la partie automnale ou dans la partie estivale, on a des gestes techniques qui sont plus fréquemment utilisés dans une partie et dans l'autre. Le travail au sol, par exemple, on essaye de faire en sorte que ça se passe sur des terrains susceptibles de bien recevoir les chutes. Et puis, ce sont des conditions qui sont un peu contraintes de l'extérieur. Mais je procède par période, qui correspondent à peu près à entre la septembre et la Toussaint et puis Noël. Et je fais des cycles de travail où il y a beaucoup d'exercices qui sont vus au début du cycle et qui sont repris en permanence de manière à ce qu'il y ait une familiarisation, une accoutumance et puis une acquisition des gestes techniques. Le gardien, même à mon époque, par exemple, le gardien de but, c'était un joueur qui était plutôt en attente. Il attendait que les ballons arrivent et il attendait que l'adversaire fasse son œuvre pour que lui protège son but. Maintenant, il est plutôt intégré à son équipe et il fait en sorte que son équipe l'utilise le plus souvent possible et que lui essaye de maîtriser, soit par ses conseils, soit par ses interventions, toute cette zone qui se passe derrière la défense. Puisque maintenant, le maître mot, c'est on joue devant, on monte, on presse haut. Donc, il y a une partie de terrain qui est derrière les défenseurs, qui est importante et qui doit appartenir à la défense et au gardien de but. Donc, il y a toute cette partie d'anticipation, de compréhension et d'analyse du jeu qui font que le gardien de but à un espace de jeu qui est relativement réduit, le but et puis une zone proche, et puis en fait toute une partie de terrain qui lui appartient en tant que joueur de champ. Les gardiens de but, même étant jeunes, on leur demande déjà d'avoir un bagage sur le plan de la coordination, de l'habileté, de la maîtrise technique, la maîtrise des déplacements qui est déjà assez affirmée. Parce que tout ça, ce sera travaillé après. On ne part pas de zéro et on ne peut pas prétendre sur 2 ans à cet âge-là amener des gardiens qui n'ont pas de vécu à de l'excellence. Donc on est obligé de déjà porter son attention sur tout ce qui est la coordination générale et puis la maîtrise dans la prise de balle. Après, dans le cadre de la formation, de la pré-formation, on va intégrer la notion de compréhension du jeu qui sera plus importante et on jouera sur la répétition. Mais il y a un élément majeur qui va guider aussi tout ce qui va être donné aux jeunes joueurs, c'est cette période de fragilité où ils sont, où il y aura sûrement des interruptions parce qu'ils sont en pleine croissance. Et la vigilance est grande de ce côté-là parce que la répétition veut dire la fatigue et puis éventuellement la blessure. Donc on est dans une situation où la progression du jeune joueur va être plutôt en dents de scie, plutôt qu'en progression continue. Parce qu'a priori, on pense qu'on s'entraîne, donc on est meilleur au fur et à mesure que ça avance. Donc c'est une période de grande fragilité, l'acquisition est relativement facile, les déperditions sont aussi relativement faciles, et puis les gardiens ne vont pas être des gardiens de but aboutis au bout de la préformation, parce qu'après il y a la formation et d'autres éléments qui vont intervenir et qui vont développer tout ce qu'ils ont pu commencer à apprendre. On considère qu'entre un grand pas bon et un petit bon, je prends le petit bon. Mais entre 2 gardiens qui ont un bagage technique à peu près équivalent, une évaluation du jeu qui est bonne, inévitablement le grand va prendre l'avantage. Et puis, c'est vrai que la taille, c'est important partout. À partir d'un moment où la taille devient handicap, si on fait 1m90 et puis qu'on fait 108 kg, ça ne peut pas aller. Donc la taille est un élément important à bagage technique équivalent. Je pense que tout est possible sur les 2 années de préformation, à la condition, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'au départ, il n'y ait quand même pas des lacunes énormes, qu'on ne puisse pas remonter.
Bah, disons que les gardiens doivent être des fous raisonnables. Alors fous parce qu'ils sont un peu kamikazes, mais raisonnables parce qu'ils doivent appuyer tout leur comportement, de t'appuyer sur une analyse du jeu, une compréhension, et ça ne peut pas être instinctif. Surtout que le jeu du gardien de but, c'est un jeu par réaction. Ils ne décident rien. Donc ils subissent un peu ce que veut l'adversaire, et puis ils subissent un peu ce que veut sa défense. Donc il a quand même une partie d'intelligence et de raison qui doit exister chez lui. Ils sont dans un univers multisport, qui fait que ces jeunes joueurs sont aussi mélangés avec d'autres joueurs d'autres disciplines, qui ont aussi des compétitions européennes. Donc je pense qu'ils ne sont pas détériorés dans leur vision du haut niveau par exclusivement le football. Donc ça me semble très important. Après, les conditions strictement matérielles et humaines, elles sont vraiment remarquables. Les conditions scolaires, elles sont aussi remarquables, dans la mesure où il y a une proximité qui fait qu'il y a des liens qui s'établissent. Et je pense que l'ensemble de la structure qui est installée ici convient tout à fait, et puis est susceptible de vraiment valoriser le passage des jeunes ici pendant leurs 2 années.